Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Hare Krishna, cher Devon, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 20e chapitre, à partir de verset 33. Tatvam kuru maya dishtam apramatha prajapate mat adesha karoloka sarvatra tnoti Shodhanam. Traduction. Traduction du verset 33. Ô roi, toi qui protèges les citoyens, fais bien soin désormais de toujours te plier à ma volonté, sans jamais te laisser fourvoyer. Quiconque vivra ainsi, exécutant fidèlement ce que j'ordonne, connaîtra toujours et partout des jours heureux. Teneur est porté par sa délivrance, tu la parles. L'essence de la religion consiste à exécuter les ordres du Seigneur suprême. Celui qui adopte cette ligne de conduite est religieux au plus haut point. Krishna, le Seigneur souverain, déclare dans la Bhagavad Gita « Manmana Bhavamad Bhakta » Remplis toujours de moi ton mental et deviens mon dévot. Et il ajoute Sarvada mantalityaja namekam sharanam praja. Laisse là toute occupation matérielle et abandonne-toi simplement à moi. Tel est le principe fondamental de la religion. Quiconque agit sans hésitation selon cet ordre du Seigneur est véritablement un être religieux.
Tous les autres font figure de simulateurs, car de nombreuses activités ont cours de par le monde au nom de la religion, bien qu'elles n'aient rien à voir avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, celui qui se plie aux ordres du Seigneur suprême sera toujours et en tout lieu béni par le destin. Est-ce que ça va, le son? C'est juste que le micro soit devant celui qui dit sur moi. Celui-là, il n'est même pas allumé. Les autres, et ça, c'est allumé? Ah, c'est ça qui n'est pas allumé. Mais en fait, c'est... ils n'ont rien entendu. Mais il n'y a pas la lumière dessus. Oui, c'est ça, c'était ça. Est-ce qu'on relit? Vous avez entendu quelque chose ou il faut relire? Vérifie si le micro est allumé. Sûr, il n'y a pas de... Oui, parce que là, ça ne clignote pas, là, c'est bon. C'est bon. Relisez. Ok, je relis. C'est pour mieux s'absorber. Traduction. Au roi. Tu peux dire le numéro de verset aussi. Oui. Donc, chant 4, verset 20, verset 33. Traduction. Tu veux que je dise en sanskrit? Hein? En sanskrit, tu disais? Non, traduction. Non, traduction. Ô roi, toi qui protèges les citoyens, aie bien soin désormais de toujours te plier à ma volonté, sans jamais te laisser fourvoyer. Quiconque vivra ainsi, exécutant fidèlement ce que j'ordonne, connaîtra toujours et partout des jours heureux. D'honneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. L'essence de la religion consiste à exécuter les ordres du Seigneur suprême. Celui qui adopte cette ligne de conduite est religieux au plus haut point. Krishna, le Seigneur souverain, déclare dans la Bhagavad Gita « Manmana Bhavamad Bhakta » « Emplis toujours de moi ton mental et deviens mon dévot. » Et il ajoute « Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja » « Laisse là toute occupation matérielle et abandonne-toi simplement à moi. » Tel est le principe fondamental de la religion. Quiconque agit sans hésitation selon cet ordre du Seigneur est véritablement un être religieux. Tous les autres font figure de simulateurs, car de nombreuses activités ont cours de par le monde au nom de la religion, bien qu'elle n'ait rien à voir avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, celui qui se plie aux ordres du Seigneur suprême sera toujours et en tout lieu béni par le destin. Donc, je vous rappelle le verset précédent où le Seigneur suprême Sri Vishnu a donné ses bénédictions à Maharaj Prithu pour que Maharaj Prithu toujours sert Seigneur suprême avec l'amour et dévotion. Donc, automatiquement, vous pouvez imaginer que dans ce verset, en fait, il explique, le Seigneur suprême, il explique en fait comment on peut réussir dans notre service dévotionnel. En fait, pour réussir le service dévotionnel, il faut sans hésitation mettre en pratique les instructions de Sri Krishna. Okay? Donc, vous pouvez me dire, mais on n'a rien reçu comme instruction de la part de Krishna. Hein? On ne l'a jamais rencontré. Il ne nous a rien dit personnellement. Dans la Bhagavad Gita, il dit tout ça à Arjuna, pas à nous. Donc, et à nous, il n'a rien dit. Donc, nous sommes censés toujours penser que si on ne dit pas à nous personnellement, ça ne nous concerne pas. Mais dans la vie spirituelle, ce n'est pas comme ça. Par exemple, si tout le monde reçoit l'avis d'imposition, donc celui qui reçoit, il le remplit, il paye. Et celui qui ne reçoit pas, donc il n'a rien à remplir et rien à payer. Okay. Pourquoi?
parce qu'ils considèrent que s'il y avait quelque chose à payer, le gouvernement sûrement m'enverrait ce papier. Sinon, s'ils n'ont rien à m'envoyer, donc je n'ai rien à payer. Mais dans la vie spirituelle, spirituelle, le dévot n'attend pas que le Seigneur suprême lui envoie ce papier. L'initiative vient de lui-même. Okay? Krishna toujours, il attend que nous manifestons cette initiative de lui montrer en fait notre intérêt envers lui. Et à partir du moment quand on montre cet intérêt, ce qui se passe, c'est que Krishna commence à nous donner des instructions pour qu'on sache comment on peut réussir en fait notre devoir. Comme par exemple, juste au début de la Bhagavad Gita, donc Krishna n'a rien raconté, n'a rien proposé à Arjuna. C'est Arjuna plutôt lui a posé la question, est-ce que tu peux me sortir au milieu de deux armées, est-ce que tu peux me montrer qui se bat, etc. etc. Et puis après, il lance en fait ses idées, ses propos sur lesquels Krishna répond et beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses que Krishna a dit, nous recevons sous la forme des instructions. Donc, on peut trouver beaucoup d'instructions dans la Bhagavad Gita. Par exemple, quand Krishna dit, Prabhupada a donné comme exemple, Krishna dit, pense toujours à moi. Ou dit que deviens mon dévot. Tout ce que tu fais comme une offrande à moi, etc. etc. Quand un dévot suit en fait ses instructions, pourquoi il suit? Parce que Krishna lui a dit. Là, j'aimerais bien que vous sentiez la nuance. En fait, quand nous faisons quelque chose, comme c'est écrit dans la Bhagavad Gita, mais nous faisons juste parce que c'est Krishna qui nous a dit ça. Ça, c'est, vous pouvez considérer comme service dévotionnel. Mais quand vous le faites parce que vous avez un motif personnel, je ne sais pas, vous voulez ne pas souffrir ou autre. Ça, c'est, ça rentre dans la catégorie de pratique de pratique de service dévotionnel. Ça veut dire nous essayons de faire comme les dévots font. Donc, par exemple, les dévots chantent Hare Krishna, nous on chante Hare Krishna. Les dévots ne mangent pas de viande, nous on ne mange pas de viande. Les dévots écoutent Srimad Bhagavatam, nous écoutons Srimad Bhagavatam, etc. Okay? Ça c'est ça dans la bhakti, c'est quand on suit les principes de dévotion, des règles et des principes de dévotion. Mais quand un jour, par exemple, on a pris la Bhagavad Gita par hasard et on a vu que Krishna nous a demandé de faire ceci ou cela, on dit, ok, si c'est Krishna qui demande, je vais le faire. Donc ça, c'est déjà une dévotion. C'est rare, c'est vraiment très rare quand quelqu'un commence suivre les règles et prescriptions parce qu'il est convaincu que c'est Krishna qui lui demande en personne. Okay? Donc, ici, dans ce verset, nous voyons que comment Seigneur Suprême, il donne la clé de réussite, comment Prithu Maharaj peut réussir dans son service dévotionnel. Hein? Pour cette réussite, il donne
des indices, des indices ou des instructions. Il dit que tu dois protéger tes subordonnés. Donc, c'est pour un roi, c'est très important de protéger ses subordonnés. Peu importe l'état de conscience de ses subordonnés, hein, pour roi, par exemple, les subordonnés de roi peuvent être des dévots, peuvent être pas dévots, ils peuvent être des démoniaques, ils peuvent être tout ce que vous voulez, hein. Mais si le Seigneur suprême les protège, si le roi les protège, en fait, il peut demander en retour, il peut demander de suivre les règles. Mais quand le roi ou le gouvernement ne protège pas ses citoyens, ils n'ont pas le droit de demander, je ne sais pas, payer les impôts, mettre les masques, respecter la distance de sécurité, faire le tri, etc. Le gouvernement n'a pas le droit de demander ça. Pourquoi? Parce que il ne protège pas ses citoyens. Donc, le roi, c'est quelqu'un important dans le pays, ou le président, comme vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui est considéré comme le meilleur. Par exemple, quand aujourd'hui on fait une élection pour le président, donc on est censé penser qu'on a élu celui qui est le meilleur. Même si c'est entre les pires, c'est toujours, il est le meilleur entre les pires. Mais il est censé être meilleur. S'il est le meilleur, donc on le suit. S'il se permet manger de la viande, donc ses subordonnés automatiquement vont manger de la viande. S'il se permet de, je ne sais pas, avoir 7 femmes et 8 maîtresses, donc tout le monde le suit, c'est automatique. Okay? Pourquoi? Parce qu'il est la personne qui est comme étalon, lequel on doit suivre. C'est pas pour rien. Souvent, les dévots de Krishna, les purs dévots de Krishna, prennent la naissance sous la forme d'un roi, comme Maharaj Parikshit, comme Yudhishthira, comme Prithu Maharaj, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont respectés. Hein? C'est quelque chose de très respecté. Même si vous voulez, par exemple, le peuple respecte plus les Kshatriyas, le roi, que les brahmanas. Pourquoi? Parce que brahmanas, ils n'ont rien. Rien d'intéressant. La connaissance, le savoir, etc., ce n'est pas trop intéressant pour le public. Mais quand ils voient comment les kshatriyas, ils vivent, ils ont des palais, je sais pas, l'argent, l'armée, etc., la puissance. Donc ils disent, voilà, ça c'est quelque chose, ça c'est quelqu'un digne d'être respecté. Les brahmanas, ça va, on peut leur donner quelque chose comme ça, ils seront satisfaits, c'est pas grave. Mais kshatriya, si vous avez remarqué, les Indiens, souvent, les hommes indiens, ils portent des moustaches pour se ressembler à un roi. Ils pensent que je suis un kshatriya. Donc, mais c'est pas par hasard Krishna donne en fait la naissance dans le corps d'un kshatriya, d'un roi, pour que ce soit quelqu'un respecté et qui peut être suivi par ses subordonnés. Okay? Donc ça. Tout ça, en fait, c'est les conseils de Seigneur Vishnu. Il dit, il faut que tu suives mes instructions sans hésitation et
rien ne doit te faire dévier de ton chemin que tu as déjà choisi. Le chemin de... Le chemin de Bhakti, quand on choisit marcher sur le chemin de Bhakti, nous devons en même temps comprendre qu'est-ce que c'est Bhakti. Et si nos actes où notre comportement ne correspond pas à ces notions, nous devons alerter et dire, voilà, j'ai dévié de chemin de pratique. Donc dimanche dernier, nous avons parlé un peu de ça. On a bien formulé qu'est-ce que c'est pratique. Et chaque prakta, chaque sadhaka, doit toujours rappeler à lui-même les principes de Bhakti pour ne pas dévier. Parce que, vous savez, c'est très simple et très facile à dévier de chemin de Bhakti parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes. Là, dans quelques versets plus tard, vous allez voir que Gatra Kumar vient voir Prithu Maharaj et Sanaka Kumar explique à Prithu Maharaj que en fait, rien n'est aussi dangereux pour un bhakta que l'idée qu'il y a d'autres choses intéressantes que bhakti. Il y a des choses aussi intéressantes que bhakti, ou pareilles que bhakti. Donc cela nuit gravement le chemin de bhakti. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, l'altruisme. Par exemple, si nous pensons que c'est bien de chanter Hare Krishna, c'est bien d'écouter Srimad Bhagavatam, respecter les principes, suivre les règles, etc. Mais on doit faire l'œuvre de charité, on doit aller chercher les pauvres, leur nourrir, on doit les guérir, etc., etc. On doit, demander de l'argent à tout le monde pour aider tel ou tel pays, je ne sais pas, faire ceci et cela. Donc, nous pouvons penser, c'est normal, c'est très bien, parce que quelqu'un qui est un être spirituel, automatiquement, il doit faire ça, il doit faire l'œuvre de charité, etc. Et vous voyez, souvent nous tombons dans ce piège. Ne pensez pas que quand on dit ça, on pense que non, un dévot ne doit pas faire l'œuvre de charité, il ne doit pas aider aux pauvres, etc. Non. Mais le bhakta qualifié, qu'est-ce qu'il fait? Il aide, mais comment il le fait? Il le fait de telle sorte pour engager cette personne dans service dévotionnel. Par exemple, je ne sais pas, un exemple tout simple. Des gens viennent ici, ils écoutent Srimad Bhagavatam, après on donne à manger. Okay? Donc, on ne prend pas le prasad et en silence, on ne distribue pas dans la rue aux pauvres. Mais quand les pauvres viennent pour manger ici, au moins on sait qu'ils vont entendre Hare Krishna plusieurs fois. S'il vient juste avant le prasad, au moins il entend Sharira Vidyajal, etc. Donc au moins il voit les dévots, il s'associe quelques minutes avec les dévots, il prend prasad, il voit Jagannath. Donc en fait, on ne peut plus dire que ça c'est une œuvre de charité. Non. Ça, c'est l'engagement dans le service dévotionnel, dans le sadhana. Donc, c'est un engagement dans le sadhana.
Donc, et même s'ils ne veulent pas, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne croient pas, voyez, ils regardent Jagannath. Même s'ils ne sont pas convaincus que Jagannath, c'est Dieu, la personne suprême, au moins, ils regardent. Hein. Même les gens dans la rue qui passent devant, ils regardent, même s'ils ne savent pas qui c'est, etc., ils reçoivent cette bénédiction. Voyez. Voilà pourquoi un dévot ne doit pas faire l'œuvre de charité, etc. Et tous ce genre des actes doivent être dans le cadre de bhakti. Par exemple, souvent, les altruistes venaient voir chez le Prabhupada et disaient, voilà, vous avez, votre mouvement est très fort, vous avez de l'argent, vous avez du monde, vous cuisinez bien, est-ce que vous ne voulez pas cuisiner pour tel hôpital ou tel truc, etc. et envoyer régulièrement là-bas? Chez le Prabhupada disait non. Si vous nous permettez qu'on vient, on fait un programme dans votre hôpital, après on peut nourrir les gens. Il disait non. Il disait ok, si c'est non, c'est non. Ouais. Il était très strict, hein, parce que c'est très très facile de dévier de ce chemin. Bien sûr, vous pouvez dire, oui, même si quelqu'un, il ne connaît même pas que c'est prasad, etc. Même si une fourmi qui goûte un petit morceau de prasad, quand même, il va avancer dans sa vie. Oui, il va avancer, mais nous choisissons toujours ce qu'on peut faire le plus. Si on peut faire le plus, on fait le plus et pas ce qu'on peut faire de moins. Je vais expliquer pour que vous sachiez. Par exemple, on peut se poser la question, pourquoi on est assez nombreux, pourquoi on ne va pas, par exemple, ouvrir un centre pour accueillir les drogués et puis s'occuper d'eux jour et nuit, de leur expliquer qu'ils ne sont pas ce corps, etc., etc., pour qu'ils arrêtent de se droguer, pour qu'ils se mettent sur le chemin droit, etc. Hein? C'est une bonne idée, mais pendant que vous allez faire ça, des centaines et des centaines de personnes qui ne sont pas encore droguées, ils vont devenir drogués. Mm-hmm. Vous comprenez? Il y aura plus de drogués, hein, que si vous laissez qui est déjà drogué et vous vous occupez de ceux qui ne sont pas encore drogués pour les empêcher de se droguer. Okay? Si par exemple, vous avez la possibilité de faire et l'un et l'autre, pourquoi pas? Si on est tellement nombreux, imaginez que tout Paris, je ne sais pas combien de millions, ils sont tous des dévots, il y a juste deux personnes qui ne sont pas dévots et qui sont droguées, etc. Donc c'est super, chacun à son tour, chaque jour un dévot peut s'occuper d'une personne, vous voyez, pas de problème. Mais déjà, il faut essayer de sauver ce que vous pouvez sauver. Ce comme par exemple quand il y a un incendie qui commence, okay, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui n'est pas encore incendié, on commence à sortir de la maison. Parce que si vous commencez à sauver ce qui est en train d'être brûlé, ce qui n'est pas brûlé va commencer à brûler. Vous allez perdre et l'un et l'autre. Vous comprenez? Voilà pourquoi souvent, un dévot peut tomber sous l'influence de sattva guna en pensant que oui, sattva guna c'est bien, etc., etc. Mais encore une fois, sachez que sattva, c'est pas pur sattva. Hein. Le sattva du monde matériel est avec une farce dedans, dangereux. Il y a tamas et rajas dedans. Donc il faut faire vraiment attention parce que on peut dévier très facilement. Hein. Krishna ne dit pas dans la Bhagavad Gita, celui qui ne tombe pas sous l'influence de deux gunas, trois gunas. Ça veut dire tous les trois peuvent nous faire dévier de notre chemin. Okay? Et ici, Seigneur Suprême explique à Prithu Maharaj que tu dois faire vraiment attention pour ne pas dévier de bhakti. Et par la suite, il dit, celui qui vit selon mes instructions, il va toujours réussir. Ça, c'est aussi important
Parce que souvent, nous pensons que nous sommes un peu plus intelligents que Krishna. C'est vrai que Krishna dit ceci et cela, mais je pense qu'on peut faire autrement. On peut faire ça, 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 ça. Et en général, pourquoi l'homme ne veut pas suivre les instructions de Krishna? Vous savez? Hein? Parce qu'on a envie de gratifier nos sens. On veut avoir plaisir des sens. Et dès qu'on entend les instructions de Krishna, on voit que Krishna, il nous empêche de gratifier nos sens. Par exemple, Krishna dit, laisse toute forme de gratification des sens. En fait, là-bas, c'est écrit Sarva Dharma. Sarva Dharma, c'est toute forme de devoir. Voilà. Toutes sortes de devoirs. En fait, qu'est-ce qu'il sous-entend, hein? Laisse toute forme de devoir. Devoir paternel, devoir maternel, devoir de citoyen, devoir religieux, devoir tout type de devoir. Il laisse. Et précédemment, il dit, celui qui fait bien son devoir peut atteindre la perfection. Alors, on peut trouver une contradiction dans les paroles de Krishna. Non, aucune contradiction. Parce que dans le verset où il dit que tu peux atteindre la perfection, il ne dit pas que tu vas devenir prakta. Ce n'est pas la même chose. Parce que la perfection, ce n'est pas encore une bhakti. Par exemple, je peux être un homme parfait, hein, dans la vie matérielle. Parfait. Par exemple, connaître toutes les sciences, connaître la culture, les règles de politesse, tout, je serai un homme parfait. Ma santé sera impeccable, ma conduite sera impeccable, je peux marcher sur l'eau, avaler les cuillères et les fourchettes, etc. Je peux tout faire, mais je ne serai pas un dévot. Okay? Voilà pourquoi, en fait, la perfection, ce n'est pas encore une dévotion. Okay? Mais dans le verset Sarva Dharma, où il dit « Laisse toute forme de devoir, hein, et tu t'abandonnes à moi. » Pourquoi il dit ça, « Tu t'abandonnes à moi » ? Parce que si on ne laisse pas tous ces devoirs-là, même si ces devoirs étaient donnés par Krishna, si on fait ses devoirs, mais on ne fait pas pour sa satisfaction, nous ne pouvons jamais atteindre Bhakti. Je vais vous donner un exemple. Des fois, Krishna met son dévot dans une situation où le dévot doit mentir, par exemple, ou voler, ou tuer. Okay? Il met dans une situation telle. Pourquoi, hein? Pourquoi? Parce qu'il doit choisir entre Dharma et Krishna. Par exemple, quand il y avait la bataille de Kurukshetra, dès le début de Kurukshetra, dès le début de bataille, Maharaj Yudhishthira a annoncé, il a dit, ceux qui pensent que la vérité est sur le côté de Pandava, ils peuvent venir se battre avec nous. Ceux qui pensent que la vérité est dans le côté de Duryodhana, ils peuvent aller et se battre contre les Pandavas. Okay? Il a dit, c'est votre droit, vous pouvez faire votre choix maintenant. Okay? Il y avait des gens qui sont échangés leur place. Hein? Mais, par exemple, Bhishma Dev, le grand-père de Krishna et d'Arjuna,
Lui, il est resté côté Duryodhana. Pas parce qu'il ne connaissait pas la vérité, mais il pensait que le devoir, c'est plus important. Et s'il ne suit pas son devoir, on ne va plus respecter le devoir. Et si on ne respecte plus le devoir, donc la société va dégrader. Mais Krishna dit plus. Il dit, ça c'est vrai, mais il y a quelque chose plus haut que ça. Plus haut que dharma. C'est la dévotion, c'est le bhakti. Et ici, dans ce verset, justement, Seigneur suprême, il prévient Prithu Maharaj que même dharma, même les principes de dharma ne doivent pas t'empêcher de rester sur le chemin de bhakti. Vous voyez, en fait, parmi toutes sortes de d'activités, on peut dire que le plus haute activité, c'est le dharma, le devoir. Mais en fait, plus haut que le devoir, c'est la dévotion. La dévotion est toujours plus haut. Elle est placée toujours plus haut. Même des fois, les dévots prennent des rôles, ils jouent des rôles horribles où tout le monde les déteste, etc. Comme par exemple Akrura. Vous connaissez Akrura. Akrura, c'est un oncle de Krishna qui habitait à Mathura. Et quand Kamsa lui a envoyé à Vrindavan pour qu'il aille chercher Krishna et Balaram pour qu'on les tue, Akrura était très content. On peut dire, mais un dévot, comment il peut être content qu'il est allé les chercher? Mais et en fait, le dévot, il voit autrement. Il ne pensait pas que Kamsa peut les tuer. Il savait que c'est impossible. C'est pour ça qu'il allait sans problème. Il allait les chercher. Et plus tard, vous voyez, parce qu'il a enlevé Krishna et Balaram de Vrindavan, et tous les Vrajabhasi pratiquement le détestaient. La majorité des Vrajabhasi le détestaient, sauf les pâtres âgés, comme Nanda Maharaj. Même Nanda Maharaj, il n'aimait pas trop. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé Krishna et Balaram de Vrindavan. Mais après, dans l'histoire de Pierre Siamantaka, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. En fait, il y avait un kshatriya appelé Satrajit. En fait, il a fait beaucoup d'austérité pour plaire au roi de soleil. Et le roi de soleil lui a offert une pierre qui donnait je ne sais pas combien de kilos d'or par jour. Donc, et quand il a reçu ce cadeau, Satrajit, il a reçu ce cadeau, il l'a mis autour de son cou et ça brillait tellement fort comme un soleil. Et il voulait aller à Dvaraka pour mettre tout le monde envieux, pour rendre tout le monde envieux. Et quand il est entré, tout de suite on est allé dire à Krishna que Dieu, demi-dieu de soleil est venu, parce qu'il ne savait pas. Cette éblouissance ressemblait à l'éblouissance de Suryadeva. Mais Krishna a ri, il a dit non, ce n'est pas demi-dieu de soleil, c'est Satrajit qui a mis cette pierre autour de son cou. Et quand Krishna l'a rencontré, il a dit, ça sera bien que tu ne gardes pas cette pierre chez toi. Mieux que tu le donnes à roi Ugrasena, car chaque meilleure chose doit être protégée par le roi et doit être à sa disposition. Mais il n'a pas voulu le faire,
Bref, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Finalement, le frère de Satrajit a fait la même chose. Il a pris cette pierre, il l'a mis autour de son cou et il est allé faire une promenade dans la forêt. Et dans la forêt, il y a un lion qui l'a attaqué, il l'a tué et il a pris cette pierre. Et après, c'était Jambavan, le grand ours, le roi des ours, qui a vu ce lion. Il l'a tué aussi. Il a tué ce lion et il a pris cette pierre et il l'a emmené chez lui. Il l'a donné comme un jouet à son fils. Et son fils jouait avec ce bijou. Parce que Jambavan, ça ne lui intéressait pas. Il a vu que ça brille. Il dit, bon, mon enfant sera content. Comme ça. Et quand Prasena, le frère de Satrajit, n'est pas rentré à la maison un jour, deux jours, ils se sont inquiétés, ils l'ont trouvé mort. Et, en fait, pas ils l'ont trouvé mort, ils ont commencé à dire que voilà, quelqu'un a dû tuer. Et les amis de Satrajit ont lancé l'idée que c'est Krishna qui l'a tué parce qu'il voulait prendre cette pierre, etc., etc. Et Krishna a dit, ok, on va chercher. Donc, il a envoyé tout le monde devant et il les suivait. Pour éviter des conversations comme quoi Krishna l'a amené sur faux pistes, etc. Bref, ils ont trouvé Prasena mort, ils ont trouvé les traces de bataille entre Lyon et Jambavan. Je ne vais pas vous raconter, mais quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Bref, quand ils ont vu que les traces en fait, des pieds de Jambavan s'arrêtent devant une grotte, et personne n'a osé rentrer, Krishna a dit, vous restez là. Il est rentré, et il a vu ce bijou, lequel le fils de Jambavan jouait, et il l'a pris. Dès qu'il a pris, l'enfant, naturellement, a commencé à pleurer. Et la servante de Jambavan tout de suite est allée et a dit que voilà, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris le jouet de l'enfant, et tout de suite Jambavan, très fâché, est venu. Et parce qu'il était en colère, il n'a pas reconnu qui est devant lui. Et il a commencé à se battre avec Krishna. Ils se sont battus pendant 28 jours. Et Jambavan a vu que ses forces commencent à diminuer. Et quand il était un peu plus moins dans Rajas, quand Rajas est parti, il a commencé à réfléchir. Il a dit, mais personne sur cette terre ne peut me faire face, m'affronter, seulement mon cher Seigneur. Donc, et dès que cette idée est venue, il a compris que c'est son Seigneur. En fait, Jambavan était dans l'armée de Sri Ramachandra. Et car Sri Ramachandra, il est venu participer à Krishna Lila, Sri Ramachandra se trouvait dans le corps de Krishna. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, beaucoup de serviteurs de Sri Ramachandra qui sont venus pour aussi jouer en fait, dans le divertissement de Krishna. Et tout de suite, il a reconnu et il a présenté ses hommages. Et Krishna, avec une main comme ça, il a passé sa main sur son front. Et tout de suite, toute la fatigue, tout est parti de Jambavan. Et très content, il a emmené sa fille Jambavati et il a offert à Krishna. Donc, comme ça, Krishna est sorti de ce grotte avec la pierre Siamantaka et Jambavati. Donc Jambavati, c'est la deuxième femme de Krishna à Dvaraka. La troisième, ce sera la fille de Satrajit. Alors, je suis rentré dans l'histoire. Donc,
un effet ce qui s'est passé. Bref, je raccourcis. Donc la pierre est la pierre Shyamantaka et s'est retournée de nouveau à Satrajit. Mais Akrura, qui était un grand dévot de Krishna, il voulait absolument que cette pierre revienne à Krishna. Peu importe les moyens, il voulait absolument que Krishna obtienne. Pourquoi ? Parce que Krishna voulait cette pierre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un complot. Il a créé un complot avec deux autres kshatriyas qui étaient jaloux de Krishna, etc. Et il a dit que vous allez, un de ces deux kshatriyas va tuer Satrajit pendant qu'il dormait. Parce que Satrajit, il dormait avec la pierre pour que personne ne lui enlève. Et comme ça, j'ai oublié le nom de ce kshatriya. Bref, il est allé. Et il a tué Satrajit et il a pris la pierre. Okay? Et tout le monde savait que tout le monde a su que en fait c'était ces deux kshatriyas et Akura qui étaient dans cette affaire. Hein? Et tous les deux étaient chassés de Dvaraka, mais après Krishna a dit que Akrura peut revenir, parce qu'il savait qu'en fait, pourquoi Akrura voulait que ça fasse, que ça devienne comme ça. Avec Jiva Goswami, il explique, il dit qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait Akrura est tombé, il a fait ce péché, pourquoi? Parce que les gopis et les habitants de Vrindavan l'ont maudit, parce qu'il a enlevé Krishna et Balaram. Jiva Goswami dit c'est parce qu'il a eu un satsanga, il a fréquenté les personnes qui n'étaient pas des dévots, qui étaient envieux, qui étaient jaloux de Krishna, etc. Nous quand on commence à fréquenter ce genre de personnes, nous, petit à petit, on commence à dévier du chemin de Bhakti. Des fois, les dévots pensent que voilà, je vais aller prêcher aux voleurs. Comme ça, je vais expliquer que voler, c'est mauvais, que voler, c'est un péché et vous allez tomber en enfer, etc. Et très déterminé, il va chez les voleurs. Un jour, deux jours, trois jours, et puis un jour, les voleurs disent, bon, écoute, est-ce que tu peux nous aider? Parce que là, il y en a un truc, et il dit, non, je ne peux pas, c'est volé, c'est mauvais. Oui, mais comment on va nourrir nos enfants? Tu vois, ma fille, elle a un cancer, etc. Bon, ok, je vais venir aujourd'hui, mais que aujourd'hui. Et on va aider à ces voleurs, parce que sa fille a un cancer, etc., etc. Et puis, deuxième fois, un autre truc. Et petit à petit, en fait, notre conscience commence à dégrader. Et ce n'est pas nous qui donnons la conscience Krishna aux voleurs, c'est les voleurs donnent leur conscience en nous. Il faut bien savoir qu'en fait, un satsanga, c'est quelque chose de très, très mauvais. À partir du moment quand on est allé, par exemple, chez les voleurs et nous, ils ne nous écoutent pas, il ne faut pas y rester. Hein? Et il ne faut pas les écouter non plus. Il suffit de les écouter. Il suffit de, par exemple, faire autre chose que la prédication. Par exemple, faire la fête avec eux, manger avec eux, même végétarien. Manger avec eux, je ne sais pas, aider à transporter le meuble, etc., etc. Okay? Vous dire, oui, mais quand même, ce sera, c'est pas bien de ne pas laisser, il faut aider aux autres. Ok, mais il suffit de rentrer dans cette mauvaise association, voyez, partager certaines choses, etc., sans avoir les prêcher, ça c'est asatsanga, et on commence à dévier, même si on a des idées, excellent, parce que nous,
nous supposons comme ça que voilà, je vais faire ça, après je vais dire ça, après je vais leur amener la Bhagavad Gita et cinquième jour on va faire Kirtan, etc. etc. C'est nous supposons. Mais Krishna dispose. Et au cinquième jour, on est en train de voler. Ou prendre la drogue, ou buver l'alcool, ou fumer des cigarettes, ou autre chose. C'est pour ça qu'en fait, Asatsanga, ou mauvaise association, est aussi, peut devenir une pierre pour dévier en fait du chemin de Bhakti. Krishna, dans ses instructions, il souligne, il dit, en aucun cas ne dévie de chemin de Bhakti. Et encore une fois, je répète, il y a une nuance importante. Pour ne pas dévier de Bhakti, il faut que nous connaissons Bhakti. Il faut que nous connaissons. Je ne dis pas qu'on est Bhakta. Non, au moins, on doit apprendre qu'est-ce que c'est Bhakti et toujours surveiller. Est-ce que nos actes ressemblent à Bhakti ou pas? Sinon, ça ne ressemble pas, il faut absolument faire des efforts. Okay? Pour que ça soit comme c'est décrit. Qu'est-ce que c'est un Bhakti? Sinon, sous Bhakti, peut passer le végétarisme facilement. Hein? Donc, des fois, j'entends dire, est-ce qu'il est un dévot? Oui, il suit quatre principes. Il y a tellement de gens qui suivent quatre principes qui nous... Même il y a des démons qui suivent quatre principes. Je connais des gens démoniaques, vraiment démoniaques, mais ils trouvent que ces quatre principes, c'est génial. Et ils suivent ces quatre principes. Mais ce n'est pas la dévotion. Mais nous pensons que oh, c'est un dévot. Ou je ne sais pas. Porter sari ou toti, ce n'est pas la dévotion, parce qu'on a des voleurs et des prostituées qui portent les sari et des toti. Ce n'est pas le signe ou le critère de dévotion. Donc c'est ça qui peut nous faire dévier. Et quand nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est le bhakti, n'importe qui peut nous détourner de notre chemin facilement en proposant des choses sattviques, justes, intéressantes, cool, joyeux, je sais pas, intéressant, etc., etc. Et on peut dévier facilement. Des fois même, on rencontre des dévots qui ne s'intéressent pas à la Bhagavad Gita. Ils disent c'est pas intéressant. Mais les relations familiales, je ne sais pas, Ayurveda, etc., c'est très intéressant. Ils ne lisent pas la Bhagavad Gita, ils ne vont pas sur les conférences sur Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, mais ils vont sur ce genre de... Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est dans le verset où Krishna dit que ce genre de choses peuvent nous dévier de chemin de bhakti. Donc, ça c'est, je crois que c'est avant-dernier verset. Deux versets? On a fait 33 et on reste jusqu'au 38. Ok. Bon, dans ce cas-là, on va arrêter aujourd'hui ici. Pour qu'on puisse dimanche continuer les autres. C'était le chapitre. 20e chapitre. On est toujours au 20e. Premier chant. Non. Quatrième chant, 20e chapitre, verset 34, la prochaine fois. Shrimad Bhagavatam. Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, non. Juste pour dire que Tarbhavan, si je me rappelle bien, c'est l'incarnation de Brahma. En fait, de mémoire, c'est
C'est possible. En fait, il y avait dans le même corps, il y avait des fois plusieurs dévots. Donc c'est. Et il y avait, par exemple, des fois, la même personne était incarnée dans plusieurs corps simultanément. Nous, on doit petit à petit réaliser ça, que c'est tout à fait possible. C'est, Krishna nous connecte. Comme si, par exemple, vous êtes ici, mais Krishna peut vous montrer ce qu'il y a, par exemple, sur une caméra au palais de congrès, et l'autre est branché, je ne sais pas, à Broadway. Et vous pouvez avoir deux en même temps, voir et là, participer là et là. Donc, c'est possible. Mais lui-même, Krishna, quand il est venu, il y avait Seigneur Narayana et Lakshmi Devi qui sont rentrés dans son corps, qui sont venus pour se divertir ici. Il y avait Sri Ramachandra avec Sita Devi qui sont venus se divertir. Donc, et les grands dévots, souvent aussi, ils rentrent dans les corps, des différents corps, peuvent aussi participer à ces divertissements. Donc, par exemple, quand dans un corps, il y a trois personnes simultanément, il y a une harmonie. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui dit « on va à droite » et l'autre dit « non, on va à gauche, non, on va tout droit, non ». En fait, ils agissent tous comme une seule personne. Une seule personne. Et quand il y a une émotion qui apparaît sur personne, chez la personne A, B et C, il le prend comme leur propre émotion et il vit cette extase en même temps. Par exemple, si quelqu'un a soif, tous deux autres ont soif aussi. C'est, en fait, c'est assez compliqué, mais juste pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Ok. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna, Vanchakarpatam.